Et yo tout le monde, c'est Matzak pour une nouvelle vidéo sur Plantes contre Zombies. Donc j'ai vu que la vidéo a fait vraiment beaucoup de vues et qu'il y avait des commentaires, hein, donc merci. Hein. Merci quand même, hein, voilà. Donc on s'arrêtait au 6, donc on va continuer. Ah oui, j'avais envie de vous dire quelques trucs, hein, avant de commencer le jeu. Ben vous savez, les fleurs, ben, si vous cliquez sur certaines pétales comme elle ou elle, elles s'enlèvent. Ou encore si vous cliquez dans le succès, donc là il y a tous les succès sauf qu'on n'en a pas. Ben j'avais repéré à vous qu'on trouverait des personnages d'autres jeux, par exemple lui c'est dans le PopCap Game, je ne sais plus c'est lequel. Je connais pas. Lui, c'est un autre et je reconnais bien, c'est Bejouel, je ne sais plus quoi. Lui, c'est un autre, je sais, là, c'est le truc avec les puissants de plus. Je ne sais pas. C'est les canalisations. Et ça, c'est une, je ne sais plus comment ça s'appelle déjà, jeu. Et à la fin, tout en la fin, voilà. Donc, comme ça, c'est très bien fait, je trouve. Donc on va commencer. On va pas créer des zombies tout le temps. On reprend. Défendez votre maison de ma tête. Voilà. Donc alors là c'est un nouveau. Lui, il sert à... alors moi je pensais. Ouais, on va faire un plan parce que j'en connais un. Vous mettez une patrie comme ça s'appelle. Noix. Là et puis une sac. Comme ça quand le mec il va sauter avec son truc. Et ben il va sauter sur la noix et il va tomber dans le piège. Ce qui est vraiment pour moi sympathique. Après, voilà. Ok, il y a un zombie. Donc je vais essayer. J'espère que cette vidéo va faire aussi ma suite. Hein. Donc, parce que ça serait dommage. Parce que c'est vrai, mais même, je vous ai dit Minecraft, j'ai pas arrêté, mais ça commence un peu à m'énerver. Voilà. Mais ça veut dire pas que je vais arrêter Minecraft. Après cette vidéo, je vais poster une vidéo Minecraft. J'espère. Voilà. On ajoute une patate ici. Le zombie arrive. Attention. Voilà, vous avez vu. Donc pour ceux qui voulaient, voilà, donc vous faites ça comme ça, le mec il va sauter là, hop, et il va tomber dans le piège. Et en plus, on va voir plus tard. Ok, il y a le mec avec son clos. Alors là, ça sera plus compliqué à arrêter vu que son clos le protège. Non mais vraiment. Non enfin. Ok, que tu manges ça. Ok, il y a un zombie qui va dans la vidéo. Ouais, donc j'espère vraiment qu'il y aura des vues. Mettez un commentaire quand même. Ça fait vraiment plaisir. Ouais, j'ai aussi repéré au début. Bah le voilà. Le voilà. Donc là, alors là, on n'a pas de plan. Donc voilà. C'est pour ça. Comme ça, il a sauté et là, il devient un zombie normal. Normal. Non, déjà, s'il n'a pas de... T'as plus de cœur, mon ami. T'as plus de cœur. Mal. Je suis, oui, parce que... C'est mal. Merde. On va mettre des fleurs parce que...
d'or, on gagne plus d'argent. Soleil. Ici, c'est le soleil. Après, ça sera l'argent. Une baguette, hein, de zombies. On va voir si elle est une maman. Merde, il y a le bonbon sauteur. On va le nommer bonbon sauteur. Il y en a qu'un. En revanche, par contre, il y a le mec avec son clou. Vous avez vu, il a enjambé bel et bien le truc. Voilà, on a gagné un petit succès. C'est joli. Lui, il va se faire péter la tronche. C'est joli à voir. Tu vas bien mourir, espèce de... Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est aussi de faire un pouce dans mon jardin. C'est le mec qui pète mon jardin, après la... Donc... Poids gelés. Tire des poids gelés pour baisser et ralentir les mouvements. Voilà, donc, je le connais déjà. Hein, ce que c'est. Ok, 50. Mais ça. Donc, regardez bien. Donc, j'avais dit. Regardez la noix. Là, elle monte. Et quand elle est presque en haut jusqu'à devenir là. Vous voyez cette sorte de zone. Et ben, hop. Les zombies arrivent. Donc, pareil pour la mini patate. Voilà, regardez. Voilà, elle est prête et pine. Et pine. Oui, pinement. Hein. Ça. Moi je dirais ça comme ça. Allez hop, faites-moi des beaux soleils. Moi ça brille. Moi je veux que ça brille. Non, moi briller ça. Allez! Je veux que ça brille, mes soleils. Je veux que des soleils. C'est le monde soleillé. Oui, ah, voilà, tout ça. Oui, je sais, je l'ai fait exprès. Bon, remarque, ça fait rien. Regardez. Après, je vous donnerai des techniques pour ce jeu. Bien sûr, il y a aussi une autre version. Enfin, la deuxième, le deuxième jeu contre Zombie 2, qui est déjà sorti, hein, mais qui n'est pas sur le site que je vous ai passé. Mais vous tapez PopCap Game et plus loin, contre Zombie 2. Même si votre. Voilà. Moi j'aime bien quand c'est rare, par exemple là. Ok, il y a le machin bidule truc qui arrive. Allez, pose une patate ici. Que je vende. Il y a les zombies normaux. Pas mal. Allez, tuez-le. Maintenant, tu fais la mini patate. On la repasse. Voilà, là j'appelle ça une belle équipe. Là, on... parce que ranger, voyez-vous, ranger, c'est très bien, c'est la meilleure façon dans ce jeu, c'est aussi une technique. Parce que si c'est bien rangé, les zombies auront du mal. Par exemple, si je mets, si c'est pas rangé du tout, là, il y a un point, là, ici, il est tout. Voilà, et surtout, laissez un espace. Et mettez les plantes, moins importantes ici, comme les fleurs, là,
taper la chose de tout le bord. Ouais, j'ai l'heure. Et regardez bien le piège. Bon, si ça se trouve, ils vont mourir avant. Regardez, et boum! Voilà, c'est ça la technique. Dans vos débuts, après, il y aura la courgette qui va écraser, bouiller le mec. Qui est un peu mieux. Ah, par contre, c'est pas terminé. Regarde, bon, là, c'est... en plus, on est avec moi. Et on met les poches. C'est quoi les bombes cerises? Ok. Par contre, si on, ils en mettent deux ici, à part si c'est en même temps, ils sautent en même temps, sinon c'est très mauvais. Ok, j'ai plus rien. Non, au pire, on met autre chose, mais j'ai plus rien. Là, ils ont envoyé quand même beaucoup de c'est ce qu'on va faire. On va rajouter de moi, histoire de faire des défenses. Je vois du moins comme ça. Et on peut faire ça. Bon, on est en train de remplacer le tout. Là, vous avez vu, ça devient de plus en plus compliqué. Et donc, les techniques sont mieux. Ce sont les meilleures. Et là, la carnivore. En fait, vous connaissez les plantes carnivores, donc ne lisez pas. Enfin, vous pouvez lire, mais je ne sais pas. Et ben, les plantes carnivores, ça mange les moucherons, les petits insectes. Et ben, c'est pareil, sauf que ce sont les zombies. Donc, on dit mordeur. Enfin, c'est une plante carnivore. Alors, enfin, il y a une mort de l'eau, comme vous voulez. Dévore un zombie tout entier, mais est vulnérable en mangeant. Ça veut dire qu'il prend le zombie, donc il croque, comme quand vous mangez votre viande. Ah, vous comprenez. Bah, vous pourrez pas prendre les petits pois, ou je sais pas, voilà quoi. Bah, lui, cette plante, c'est pareil. Elle mange le zombie, mais là, elle fait comme un tournesol, enfin, comment dire, elle prend le zombie, et là, elle ne sert à rien. Enfin, elle mange, elle disparaît, le zombie, mais un autre peut la tuer. C'est un peu ça. Défendez votre maison, en fait. Et là, c'est là qu'on peut choisir. Donc, on va observer. Donc, on prend déjà les soleils, hein, les tournesols. Ça, bon, voyons voir. C'est intéressant, on a celui-là. Donc, on prend ça. Par contre, on n'a pas l'autre, le méchant. Donc, on prend ça. On peut prendre aussi ça. Allez, un truc sympathique. Les mini-pattes. Et puis, c'est parti. Prêt, peu, volonté. Ouais, c'est ça, jusqu'à 10. Après, à 10, ça se met au niveau 2. Bah, je crois qu'on aura terminé au niveau 2. Merde. Non, merde, ce n'est pas un zombie, non. Donc, dites-moi si vous voulez vraiment que je continue. Pour moi, ça sera un honneur. Bien sûr, c'est pas une chaîne Minecraft, quoi.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de Minecraft, mais c'est pas une chaîne qui est 100% Minecraft. 99, 98. Non, c'est pas. Mais... Alors, voyons. Là, ah oui! Donc, on va le mettre ici. Parce que j'ai une belle idée. Qui va valoir. Oui, parce qu'on va mettre deux trucs. Le point gelé ici. Et la plante carnivore. Parce que la plante carnivore, encore une technique, je vais la montrer. Mais pas pour l'instant. Quand même, je trouve que c'est cool hein, de faire une vidéo avec vous. Devant l'écran, hein, c'est vraiment sympa. Puis ça reprend. C'est pas énervant. Voilà. Bon après c'est sûr que à la fin et quand vous avez terminé c'est à peu près la même chose quoi. Dommage mais... Là, je me tourne. Oui parce qu'en fait il faut que toute la barre soit remplie pour lancer le jeu. Enfin je crois. Ouais c'est ça. Ok, donc j'ai mis l'heure. Moi je vais. Ok, la grosse carcasse. En plus, vous pourrez mettre une mine patate sous les pieds. Pourquoi? Parce que le temps qu'il mange. Allez vite. Hop, il mange. Ah non, par contre là, ça ne coupe pas. Ça ne fonctionne pas. Mal. C'est un peu drôle et puis j'aime bien ce jeu, je sais pas si Burger Shop là vous là pour l'instant j'ai pas encore posté la vidéo. Je suis plein contre zombie, je suis désolé mais j'aime beaucoup. Là, je me demande même si je vais pas la poster. Si je la posterai parce que. Raison. Ok, hop. Toc. Ok, une énorme vague de zombito. Tiens, je vais vous montrer. Il n'y a pas un zombie. Ah, voilà. Je vais vous montrer. Quand vous mettez cette plante. Parce qu'en fait, vous allez voir, elle va avaler celui avec une peau. Elle est très efficace. Après, au fil du temps, ça, elle va devenir de moins en moins. Regardez, hop. Je n'ai pas regardé, mais vous avez vu, elle mâchouille. Du coup, lui, il pouvait attaquer. Sauf qu'avec cette noix, regardez, même si il est là ou là, il le croque. Enfin, s'il y a la noix, elle sera tellement approchée que la plante va croire qu'elle est sur cette case. En fait, elle est entre les deux. Du coup, hop, elle va le prendre. Donc, j'ai mis l'heure. Voilà, c'est fait. Voilà. Et en même temps, c'est pratique parce que vous la posez et elle va vous essuyer. Bon, allez, hop, on fait le petit jardin à la va-vite. Il faut être autonome. Enfin, autonome. Bon, voilà, quoi. Donc, rendre à l'évidence. Ah oui, alors, dans la dernière vidéo, donc, je dis double pistolet de poids. C'est la même chose. Tire deux fois, deux poids à la fois. Oui, donc j'ai vu à la dernière vidéo que c'était décalé. Mais heureusement que le jeu, lui, a son format, et pas au format de Windows, enfin, d'origine. Donc c'est pas étiré, c'est un peu en carré, voilà. Et donc c'est vraiment bien, parce que, voilà, alors là, on prend ça. Ah oui, il y a le machin bidule truc. Il y a aussi le saut. On prend lequel? Bah, on pourra virer en. Ouais. Hop. C'est parti. Vous avez vu, je n'ai pas pu. Et je vous dis qu'avec ce jeu, il y a plein de techniques. Bien sûr, vous mettrez sans doute le lien de téléchargement. Oui, c'est sans doute la saison 1. Mais ça sera la saison 1. La saison 2, il n'y en aura pas. Enfin, si j'aurai le deuxième. Enfin, le deuxième plan contre zombie, si on va jouer comme ça,
C'est un peu comme les épisodes de, je sais pas, Toy Story. Par contre, ça commence à devenir sombre. Ah bah, j'ai oublié de te le mettre dans la bonne case. Donc, attends une petite seconde. Désolé. Oh là là, danger à mille heures. J'aime bien dire danger à mille heures. Donc, elle rentre. Là, c'est là. Là, c'est là. Là, c'est là. Là, c'est là. Ça va, on fait des récoltes, hein, des récoltes. Hop. 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 Aïe. Ça, on a pas prévu ça. On va le mettre après lui, là. Ah bah d'ailleurs, il y a une... Allez, un petit soleil. Voilà, veuillez attendre en attendant. Attendez que les soleils arrivent, hein. Vous allez vous faire mitrailler de thé. Je sens que vous allez être très content. Mais... Ouais, mais... Je n'ai pas encore compris, je me suis fait une erreur là, et je fais tout sauter. Hop, hop, là, ici. Ouais. Ok. Non, c'est pas rien. Ok, encore un danger, hop. Là, c'est un gros danger, hein, quand même. Merde. Allez, bouffe ça. Bouffe ça. C'est comme ça qu'on les traite, les zombies. Bouffe ça. Non, non, ne bouffe pas le reste. Ok, bon. C'est fait. C'est fait. Donc, surtout, n'oubliez pas de me dire si cette série vous plaît. Bien sûr, je vous ai dit. Bien sûr, si je fais beaucoup de vidéos sur ce jeu en même temps, il est très bien, très bien. J'aime bien ce jeu. Après, ferme. Voilà, j'ai un peu repéré. Si on peut faire comme ça, je sais pas ce jeu. Mais regardez, je suis encore une erreur. Et le mec, il fait que des erreurs. J'ai un peu repéré pour dire ça que les vidéos qui ont été le plus vues, enfin, ce sont ceux où ce n'est pas la même chose. Par exemple, Farmscape, c'est tout trop intéressant. Même s'il y a des petits jeux, par exemple. Ok, il y en a un qui a tout gobé. Gobé. Très drôle. Là. Ok, donc j'ai 1000 heures. Vous, ça, c'est gratuit. Ça. Ok, le satanesso est de retour. Prends ça. La box. Oui, je le fais exprès. J'ai tout pété, moi. Moi, je vais péter le jeu. Non, et en plus, je gaspille mes soleils, tout ça, parce que j'ai tout fait de gaffe. Yeah.
Après, pour les débutants, le jeu est plutôt compliqué. Parce que personne ne connaît. Ok, il y a le danger, il y a le deuxième danger à 1000 heures. Voilà, comme ça c'est assez rangé. Mais là vous voyez, c'est comment ça. Ils ont du mal hein. Ils n'ont pas encore atteint. Parce que pour atteindre, désolé, mais là ça serait compliqué. Déjà il faudrait qu'ils terminent les noix. Après ils se font exploser tous ici. Puis ils nous ont mangé cette plante. Puis ils ont mangé une autre. Puis elle, puis elle, puis elle. Pendant ce temps-là, c'est déjà long. Et puis, il faut qu'ils viennent entrer libre, parce qu'après, quand ils sont là. Il y a les tondeuses à gazon qui les tondent. Hein, c'est logique, mais c'est logique. Pas que c'est... Ça y est, on a gagné, désolé. Allez, trois. Même Jean-Pierre, là, il... Pierre, révolteuse. Regardez, il fait juste deux cases. Et il est déjà quasiment mort. Je lui mets une petite patate et... Attends, je fais mon petit jardinage. Hein. Elle va vite. C'est qui, ça? Je veux une plante. Ah bah, c'est ça. Vous avez trouvé une note. Bonjour, on va lancer une attaque. Attaque, c'est, ça s'écrit comme ça. Prenez votre bécherel, enfin pas votre bécherel, votre dictionnaire ou je ne sais quoi. Total contre votre petit logis. Donc bonjour, on va lancer une attaque totale contre votre petit logis. Bien à vous les zombies. Avec un S, ça veut dire qu'ils sont plusieurs. Logis, ça s'écrit pas avec un O au lieu de A-U. Ok. Bon ben bonne chance. Ah voilà, c'est ce que je vous parlais du premier épisode. C'est ça. J'adore ça. Pops, toi t'es. Bah oui, il y a pas de. J'adore ça. Par contre là, tu peux. Vous avez ça. Pas de chance. Finalement, je crois qu'on est bien sorti. Tu dis qu'ils sont en train d'attaquer, je crois que c'est tout. Hop, la petite technique de la baie. Hop, les petits pois. Pourquoi ça y est? Je vais me dire encore. Il faudrait aussi qu'ils mettent ne pas déranger, on est en train de croquer un homme. Enfin, un zombie.
En même temps, on comprend pourquoi ils sont morts. Hein. Parce que désolé, mais vu leur orthographe, je crois que leur professeur est. Ils sont des. Putain, c'est clair, lui. Boum. Aïe. Ah, ok. Ça ne vous a pas suffi, il y a votre collègue qui vient de. Jean-Pierre n'arrivera pas à résister. En fait, il ne progresse pas. Après, il y aura tellement de plantes que je vous dis, il y aura plus. Il y aura tellement. Ça y est, il est en train de mourir à la deuxième case. Ça y est, c'est la mort pour eux, là. Et le zombie il n'est même pas rentré dans la pelouse qu'il est déjà mort. Vous comprenez à part contre. Il y a un gros poichis. Ah bah c'est la fin. Enfin, presque. Là, si tu nous dis, tu me dis qu'on va pas gagner, je ne comprends rien. Bon bah voilà, notre jardin est rempli. Toc. Bon ça y est, on a gagné. Ah ouh, youpi, on est atteint la partie nuit. Donc on lit le petit bécherel, enfin le petit dictionnaire des plantes et des zombies, enfin des plantes de maintenant. Et après je vous dis, bon déjà on raconte. Et après je vous dis bye, après on l'a lu, parce que je crois que ça fait quand même une tonne de minutes. Donc à la prochaine pour avoir le niveau 2. Niveau 2 qui dit nouveau. Nouveau champ, et qui dit nouveau champ, et ben là, c'est un champignon, donc, champ de nuit, donc on aura de nouveaux zombies, qui est très 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 bien, donc on dit champignon, tire des spores à l'ennemi à courte portée, gratuit, je vous dis, alors ça, c'est, je vous dis ça, pendant les nuits, je vous dis, vous le prenez, alors par contre, je vais vous dire, pour les parties, pour ceux qui ont vraiment avancé là, s'ils sont dans le noir, et ben quand c'est le jour, ne prenez aucun champignon, enfin, à part certains qui fonctionnent même le jour, parce que ils sont en train de dormir, du coup ils vont servir à rien, sauf qu'il y aura une sorte de petite, un petit café, vous donnerez aux champignons et hop ils se remontent, ils vont travailler le jour. Donc, moi pour l'instant je vous dis bye et à la prochaine. Allez.